petits amis, bienvenue dans cette vidéo. On va voir le prochain véhicule de la flotte de la famille Lezito. Il manquait un véhicule dans ma vie, mon problème depuis des années, qui m'empêche de travailler. Je vous rappelle les amis que je vis dans le nord de la France. Et vous savez, j'ai une piste d'entraînement. Putain, j'aime bien dire ça, j'ai une piste d'entraînement que j'avais construite à l'époque parce que je voulais faire que m'entraîner au stunt matin, midi et soir. Pas avoir de voisins qui font chier pour le bruit, pas avoir quelqu'un qui me dit « Ok, tu peux venir tel jour de telle heure à telle heure ». Moi, j'avais pas envie d'attendre. Et quand tu veux ce luxe de pouvoir rouler quand tu veux, ça coûte très cher, ça coûte le prix du bitume, c'est abusé. À cette époque, les gars, j'avais payé ça le prix d'un appart, j'avais plus un rond sur mon compte, je pouvais que rouler, j'en avais rien à foutre, j'avais du bitume chez moi, et ça c'était la plus belle victoire. Je me remercie d'avoir fait ça à cette époque, parce qu'il faut savoir qu'un bitume ça mûrit aussi, c'est à dire que les premières années où tu le mets, il est pas au top, ça accroche vénère, ça te cuit les pneus, un bitume neuf, mais il a fallu attendre 2-3 ans que ça sèche, et du coup maintenant, à l'heure actuelle, il est parfait, et je suis trop heureuse d'avoir un bout de bitume dans mon jardin et de pouvoir rouler quand je veux sans avoir rien à demander à personne. Vraiment, c'est le plus bel investissement que j'ai jamais fait, en tout cas pour mon activité. Il est en plein milieu du coup d'un champ. Pour accéder à mon bitume, je dois emprunter des chemins. Tous les camions que j'ai eus, il n'y en a aucun qui a réussi à aller jusqu'au bitume par temps humide. Si tu veux, si je peux l'utiliser que 6 mois de l'année, ça casse un peu les couilles, je vais pas te mentir. Oh, vas-y, un petit agneau, c'est vraiment trop mignon quoi. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui mangent ça. Direction le garage de L2D Auto, un peu au-dessus de Paris, parce qu'après je travaille à Paris. Je crée ce que je fais aussi à Paris là en ce moment. Je sais pas si j'ai le droit de vous en parler comme ça. Bon bah je crois qu'on est arrivé les gars. Là je pense que je vais trouver un truc qui me plaît. Ouais. Et ça les gars, comment c'est pas trop stylé. Regardez-moi la taille que ça fait. Oi oi oi. Oh comment je me verrais trop avec ça pour mettre les motos là-dedans. Regardez-moi ça là, les rames à l'ancienne et tout. Oh, avec la benne. Voilà, moi c'est ça que je veux les gars. Une benne, taille, triple, quadruple XL. Tout est sûr de pouvoir rentrer les deux motos. Ça j'aime bien à l'ancienne. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça. En mode double essieu quoi. Je sais pas où donner de la tête. De L2D Auto, qui m'a été recommandé par notre très cher ami Fokker. Enchanté. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? C'est abusé ça. C'est pour tracter quoi ça? Mais là, tu tractes quoi avec ça? Des smirmorques? Des maisons, ouais. Ah, il est magnifique, hein. Ouais, les intérieurs, toi. Oh la vache. What? T'as un réservoir dans la benne? Qu'est-ce que c'est? C'est le réservoir d'essence dans la benne? Et le stock que vous avez, c'est abusé. Ah ouais, là, on se croirait même dans une autre époque et tout. Franchement, c'est trop stylé. Waouh, ouais. Il est trop cool. Oh là, le petit volant, mais d'époque, là. Waouh, il est mortel. Oh, le petit marchepied et tout, là, obligatoire. Toi, t'as voulu me transpercer le cul, hein, c'est ça. Et du coup, c'est boîte auto, là. Putain, c'est trop stylé. Même la ceinture, elle est vintage, quoi. Mes voisins, ils me prennent déjà pour une ouf, mais avec ça, ils vont faire « qu'est-ce qu'elle a branlé encore ?» Oh non, mais la taille de la benne. Le bureau des chefs, avec la vue... Les mecs, ils se sont fait chier quand même pour le design, hein. Ça doit chanter, ça aussi. The school bus. Allez, c'est parti. Wow, mais non. Moi, je vais à la place des cancres. Ah ouais, carrément, t'as qu'une place, là. C'est le cancre qui va là, quoi. C'est parti. Et fermez vos gueules, là, derrière. Allez. Les amis, on se retrouve devant notre beauté, notre très cher désiré petit F250 modèle XLT. C'est en année 1983. XLT, c'est les plus gros en fait, c'est un 7,5 litres je crois. Le tracteur là-haut, s'il est bloqué quelque part, ben, je peux le tracter sans problème par exemple. Une petite face avant, bien carrée, un peu style Walking Dead comme on aime bien. C'est un... On a une benne taille XXL. Tu vois, c'est ces histoires, tous ces petits pocs, ces petits trucs. Et du coup, je pense que je vais les laisser. Je vais le laisser comme ça dans son jus. Vous voyez cette moumoute, tu vois, quand même. Là, on est sur le banquet de 3 places. Volant vintage, bien comme on aime. Intérieur bien vintage. Les petits boutons de réglage, vraiment à l'ancienne. Pas de centralisation. Voilà, regarde ça, t'as même pas besoin du contact pour ouvrir ou fermer tes fenêtres. C'est quand même incroyable. Hein. Il y a la clim, je crois. Il y a la clim. Donc là, on voulait aller se faire une petite session, mais on vient de réaliser un truc en faisant la vidéo. C'est comment je vais monter la moto dans le truc. On se rend peut-être pas compte à la caméra, hein, mais quand tu ouvres le bélon, la benne, bah quand même, tu vois jusqu'où faut monter la meule. Je suis obligée de parler comme une cutéreuse, hein, quand je roule avec ça. Alors, je vais vous montrer pour mieux comprendre l'angle de l'avant. Voilà. Et encore là, il y a la petite pente derrière qui aide pas mal. Là, on a une petite mission. Belle rampe Asbike, hein. Pour pas montrer que je suis une mytho, j'arrête pas de dire Asbike c'est trop bien et tout, mais je vais vous montrer une rampe normale. La rampe que j'avais avant comparée à celle-là. Regarde, ça c'est la rampe standard.
que t'achètes dans n'importe quel magasin de moto. C'est ce qu'on avait aussi à La Réunion, tu vois, une rampe tout à fait normale. Et quand tu les mets l'une à côté de l'autre, la rampe normale, rampe Hatchback, à peu de choses près, tu te dis, wow, c'est à peu près la même chose, tu vois. Bon, celle-là a l'air quand même de meilleure facture, comme on dit, tu vois. L'alu est bien, bien plus épais. Il y a beaucoup plus de renforts un peu partout. Le truc est plein. Il n'y a pas les trous là. Et ça, tu vas voir que les trous, ça peut être chiant. Donc maintenant, ça va parler encore plus et je vais les mettre comme ça, tu vois. Et là, je sais pas si tu réalises, tu vois, l'angle que tu dois prendre pour monter la moto. Et comparé à celui-là, les gars, ça change tout. Le fait que quand ta roue arrière, elle est là, toi, t'es à peu près là, ton sabot, il est complètement loin. Que là, ta roue arrière, regarde comment elle va être basse à côté. Non, c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Et regarde, rien que même si je devais monter à côté de ma moto sur une rampe, là, je monte bien. Est-ce que tu crois que je vais monter aussi bien sur un machin qu'a plein de trous, quoi? Regarde-moi ça, comment c'est possible? Non mais voilà, moi je suis pas payée par cette marque hein, pour en parler, mais ça a changé toute ma vie. Mais tu vois, je vais même pas l'utiliser pour monter à côté de la moto parce que en fait ça me fait vraiment peur. Chose obligatoire que je fais pas toujours sur un fourgon là, mais là c'est vraiment obligatoire, c'est accrocher ta rampe. Mon copain, parce que si tu veux, moi je démarre la moto quand je la monte, et du coup si jamais la moto accélère, tu vois, ta rampe peut partir et tu peux... Donc sur celle-là, t'as une sécurité, t'as une petite sangle qui vient se mettre comme ça, et ça fait bah, que voilà, ta rampe elle est verrouillée et elle pourra pas glisser. C'est quand même vachement bien. On peut mettre deux grosses motos là, hein. Ouais. Non mais là, ouais, la taille c'est tellement abusé. On fait un petit chargement. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Comment tu montes là sur le pick-up? Effectivement, ce serait tu mieux. Tu vas pas pouvoir enjamber là comme dans le camion. Ça veut dire le guidon il est là en fait. Comment tu montes là? Là, comme ça. Vas-y. Allez. Ok. Faut faire un pistol squat là. Ouais, je veux bien, je suis sportive, mais à un moment ma sportivité a des limites. Voilà. Oh là là, je sens le truc foireux là. Non. Je suis même pas en ligne en plus. Là, non, wow, c'est ma caisse qui va se casser la gueule. Ça m'inquiétait pour le sabot, mais ça a l'air de passer plutôt bien. C'est limite s'il y a besoin de sangle, c'est quand même abusé, non? Ouais, je l'accroche quand même. Bah, c'est mieux, non? Les amis, nous sommes avec cette jolie 636 sur le spot, petit aparté hein, parce que quand même on est venu rouler. Alors vous l'avez déjà vu mais sous d'autres formes cette moto, c'était la 2020, vous savez que j'ai du coup remonté avec ses carénages d'origine. Elle a juste un train arrière, mais ceux qui connaissent pas trop les 636 le remarqueront pas. Le montage est très propre, c'est plug and play. C'est l'arrière du 2015 avec bah sinon tout le reste de la 2020, parce que le bâti de la 2020 il est sur l'autre stunt. Et j'avais la flemme d'en racheter un juste pour une moto de route, alors que là ça va très bien. On a remis la ligne complète, elle est quasi d'origine, sauf que j'ai laissé la transmis de stunt. J'ai laissé aussi le gros frein au pied. Là. Normalement il est plus petit, c'est un étrier, un piston sur un plus petit disque. Et là j'ai juste laissé la config stunt qui était cool. J'ai juste retiré le frein à main, que je vais peut-être remettre quand même parce que ça pourrait faire cool. Ça fait une moto qui va sur la route, bon elle va pas sur la route, mais qui pourrait y aller et qui ouate un peu. Voilà, on va aller faire un petit tour. Ne reproduisez pas, j'ai oublié mes chaussures. Oh je, non. Je ne fais... cette vidéo est n'importe quoi, tu vois. On est plus à ça près. Je mets un casque déjà, alors faut pas se plaindre, hein. On va pas trop en demander là. Claquette Yamaha. Claquette Yamaha. Ninja Kawasaki. Donc okay. une veste Honda ou Suzuki, tu sais, pour compléter le combo what the fuck. Regarde Rougaï qui fait caca, on le voit à peine. Est-ce que tu te rappelles de cette mélodie? C'est la moto qui fait des flammes. C'est la moto bomba. Oh non. T'as même pas vu que j'ai démarré en première, je suis partie quoi. C'est pas galère pour passer la vitesse?
en claquette. Non, les claquettes là. Ouais. Eh, franchement, feeling incroyable avec les pédales. Quoi. Là, par contre. Oh, oh. Il m'a rayé mon réservoir, cet enculé. Il était tout neuf. Il a l'habitude de la moto de stunt qui a le réservoir trop bien. Non, les claquettes, c'est incroyable. Par contre, de sentir les trucs, tu sens tout trop bien, le frein au pied, tout incroyable. T'as une petite moumoute quand même pour passer la vitesse. En vrai, ça va. Hein. Mais aux Seychelles, ils roulent tous comme ça, c'est que ça va bien. Eh, il conduit en tongs. En claquette. Ouais. Est-ce que tu te rends compte que ce compteur à 933 km, la moto a même pas 1000 km. Il veut juste faire de la moto. Il kiffe trop. Partout, ça commence bien. Bon, ben d'accord, hein. J'ai étendu la pelouse, labourage de terrain. Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous aurez kiffé mon nouveau petit jouet, le petit truc qui sert à aller au spot quand bah il fait moche, que c'est gras et qu'on va pouvoir voilà vraiment rouler par tous les temps. Il y aura plus d'excuses. Bon, la vidéo drift, c'était un peu, enfin drift. Tu vois, le glissade dans les champs. En plus, il y a des trous dans mon spot et tout. Enfin, laisse tomber, c'est horrible. Faut pas faire ça dans des herbes où tu vois pas où tu roules. Ce sera exceptionnel. Je compte pas faire ça tout le temps, évidemment, parce que j'ai envie de le préserver. C'est un vieux coucou. Non, je le kiffe trop. J'ai vraiment trouvé le truc que je voulais. Et j'espère que vous aurez kiffé aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye. Et reproduisez pas le roulage en claquette. Hein. C'est exceptionnel aussi.